La grande famille des amis et collectionneurs de faïence de Quimper. Depuis plus de 30 ans, notre musée vous a présenté chaque année des œuvres d'artistes ayant travaillé pour les faïenceries. Il fallait aussi mettre à l'honneur ceux qui les achètent et qui les collectionnent. Leurs trésors cachés, vous, ce soir, vous révélez leurs secrets. 50 collectionneurs nous ont prêté plus de 200 pièces qui couvrent quasiment toutes les périodes de production des faïenceries. De plus, un magnifique catalogue de l'exposition a été élaboré par Bernard Verling, Jérémy Varroquier, Philippe Théalet et Catherine Tropier. Et vous pourrez donc l'acheter et certains collectionneurs ont également apporté aussi leurs commentaires sur les œuvres qu'ils nous ont prêtées. Ce catalogue vous sera d'une aide précieuse pour mieux situer les œuvres, les voir et les revoir à loisir. Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à ce bel événement. Merci à l'équipe du musée qui a mis ses œuvres en majesté dans les vitrines. Les œuvres déjà en place ont pu retrouver leurs camarades d'enfance. Un coup de vent d'air frais s'est mis à souffler dans les salles du musée. À vous de découvrir ce minutieux travail si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais passer maintenant la parole à Bernard Verling qui vous en dira plus sur les détails et la conception de l'exposition. Il y aura également un mot de Jean-Paul, voilà, au nom de l'Association des Amis du Musée. Merci de votre écoute.